Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc voilà la première vidéo de Rudra no Yu. C'est le titre original, hein, parce que le titre français c'est Le Trésor Secret des Rudra, mais j'aime pas le nom. Donc là j'ai déjà une partie, parce que j'avais recommencé une partie. J'avais fini le jeu il y a très longtemps. Hein. Et j'ai recommencé, mais du coup, comme je suis pas allé très loin, j'ai décidé de vous faire partager ma nouvelle partie, hein, donc je vais recommencer. Donc là, pour commencer, il faut tout simplement nommer 3 persos. Hein. Non, 4, oui c'est vrai. Il y en a un, il est spécial. Donc, c'est assez spécial, le scénario, il est pas si génial que ça, mais c'est que il est bien organisé. En fait, il y a 3 scénarios distincts qui se rejoignent en fait. Donc on peut faire dans n'importe quel ordre. Hein. Moi je commençais par ça, parce que c'est plus logique dans l'histoire. Parce qu'elle, elle va changer un truc dans le monde. On va le voir sur les deux autres scénarios en fait. Donc je vous montrais le scénario de Risa en premier. Alors j'espère que la qualité sera pas trop mauvaise. Hein. Normalement ça devrait aller, ça lag moins qu'avec la GBA. Oui, sur Super NES, je sais pas si je l'ai dit. Donc pour la taille des vidéos, toujours pareil. J'essaie de faire 1000 secondes environ. Donc ouais, ce que j'adore dans le jeu, c'est le gameplay qui est très particulier. Vous allez bientôt le voir. Et surtout l'OST, c'est-à-dire les musiques du jeu. Parce qu'il n'y a presque aucune mauvaise musique. Je l'avais dit dans la vidéo de présentation du Oxo, mais du groupe OST Maker, mais j'ai pas... Enfin, elle est pas encore uploadée, donc vous verrez vous-même. Donc vous trouverez peut-être pas que les musiques sont aussi bien que ça, mais faut être dans le jeu et puis ça perd de la qualité aussi. Je suis désolé, j'ai faim donc je bouffe une pomme en même temps. Thank you.
Donc là, ça fait scénario un peu cucu, hein, habituel. Donc oui, le monde est complètement pollué. Ça se voit assez, c'est un peu sombre, le décor. Donc ouais, l'air est complètement... Enfin, c'est comme notre planète dans quelques années, quoi, en clair. Donc là, en fait, c'est comme si toute la planète était américaine, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'air est complètement pourri, quoi. Des fois, il y a un petit peu de latence dans les musiques. Donc alors, vous avez dit le gameplay est très particulier. Voilà pourquoi. Alors ça, c'est les sorts. Vous allez me dire, ça veut rien dire. Mais ça a été traduit par des fans. Et ça peut, on peut, c'est intraduisible, complètement intraduisible. Donc c'est des espèces de syllabes, quoi, japonaises. Et donc pour créer un sort, on utilise des syllabes. On peut créer n'importe quoi. Donc il y a à mon avis des millions de possibilités avec tout ce qu'on peut faire. Enfin, je sais pas, ça... ça c'était né, je sais pas, ça veut rien dire. Hein. Voilà, dommage devant. C'est au pif. Hein. Donc j'espère que ça va pas laguer pendant les combats. Hein. Quoi, la musique de la carte, c'est la même que celle des boss, enfin, dans une autre version, plus calme. J'aime bien la musique. Ben, je vais utiliser mon nouveau sort. Tout ça, ouais. Donc oui, je suis toujours en train d'enregistrer Golden Sun, mais je fais une petite pause. Hein. Donc si ça vous plaît pas, je m'en tape. Je vous le dis. Hein. Je tiens pas à être vulgaire, mais voilà, j'ai envie de faire une pause. Donc. Ouais, à chaque fois qu'on se repose, on peut sauvegarder. Hein. Donc là, je sauvegardais par-dessus l'ancienne. Hein. Donc comme tous les RPG, ça va être de plus en plus intéressant. J'allais te dire un truc là, mais c'est du spoil, donc en fait je vais pas le dire. Donc ouais, on peut parler à des gens, des fois ils nous disent des trucs. Et en fait on peut essayer de créer des sorts. Par exemple la forêt Remu. Donc là, que ça donne envie de faire tout de suite. Ça en donne envie de créer le sort Remu. Donc on va prendre un emplacement vide. Donc ouais, moi je vois le jeu sur un petit écran là. Enfin, sur un écran normal je veux dire, mais une fenêtre toute petite. Donc on a dit Remu. À tout coup ça fait rien. Mais... au pif. Voilà, start. Ah bah c'est pareil que Refou en fait, en plus puissant. Donc ouais, on peut aussi supprimer, alors pour supprimer c'est assez tordu. Il suffit en fait d'enlever toutes les syllabes et de faire ok. Voilà, du coup il n'y a plus rien. Donc. Sinon ouais, le reste c'est pas très compliqué, hein, l'équipement normal. Donc là vous voyez attaque et défense en bas à droite, avec des éléments. Donc pour faire plus de dégâts faut attaquer avec un élément contraire, et pour s'en prendre moins il faut avoir le même élément que l'attaque. En fait, le cocktail, on peut le copier pour enlever les magies. Donc, ouais, faut mémoriser. Hein. Donc, Roumé ATI tiré. Roumé ATI tiré. On s'y perd un peu. Hein. C'est K
déplacer, mais bon. Il n'y a pas de H. Mais ah oui, d'accord. T. Ouais. Il tirait. Voilà. Anti-état normand. Sur tout le monde. Donc, ouais, plus les sorts sont longs, apparemment, plus ils sont puissants. Et du coup, plus ils coûtent de magie. Donc, ouais, pour l'instant, tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher notre mère, en fait. Et je vous préviens qu'on n'est pas prêt de la trouver. Donc ouais, pour l'instant pas de tactique, je frappe et je me soigne quand je peux. Donc les effets graphiques sont pas super, donc du coup ça lag pas. C'est déjà ça. Du moins que la musique reste, c'est ce qui m'importe. Donc parfois il n'y a pas de musique, comme ici par exemple. Voilà. Donc on entend le bruit de l'eau un peu, pas de musique. Donc voilà, ouais, les combats sont très fréquents, c'est assez chiant. Et répétitif au début parce qu'on n'a pas grand chose. Mais là c'est un des seuls RPG, je crois même que c'est le seul, où on peut avoir tous les sorts dès le début du jeu quoi. Il suffit de les créer. Après on peut pas forcément les utiliser. Donc ouais, il y a des sorts qui font des... Il y a aussi des altérations d'état, il y a des... Voilà, un petit coffre. Donc là vous avez vu Remu Herbe. Remu c'est le nom de... du sort de soin. Et voilà. Donc du coup Remu Herbe. Herbe de soin. Ça a dû être chiant à traduire hein, comme truc. Parce que ça veut tout le temps dire un truc en japonais en fait quasiment. Oui, je leur raconte des conneries. Hein. Ouais, parfois elle se protège, elle se prend moins de dégâts. Zéro, je sais plus. Ça dépend. Voilà, comme d'habitude, je vais essayer de faire des vidéos de 1000 secondes. Parce qu'apparemment, j'ai remarqué, ouais, le dame jeu m'a dit que si je faisais trop de temps, genre 20 minutes, ça se décale à la fin. Là, ce sera peut-être pas le cas comme ça avec moi, mais je peux quand même faire environ 1000 secondes. Oui, là, c'est con. Les ennemis de la forêt sont moins puissants que sur la carte. Mais bon. Alors lui, vous avez compris, c'est un perso. Donc là, il vaut mieux qu'elle serve de soin. Alors lui, il... Ouais, ouais, voilà, les magies sont communes. Ouais, lui, il attaque sur tout le monde, en fait. Alors, vu leur puissance, hein, c'est pas très long. Hein. Ouais, alors je vais appeler le jeu RNH à partir de maintenant, c'est les initiales,
Et les vidéos aussi, je les appelais RNH parce que Maître Rudra no Yu, c'est trop long. Et le trésor secret de Rudra, c'est le nom, il a chié, et puis c'est encore plus long. Donc. J'ai aussi numéroté les vidéos par perso en fait, perso principal. Risa, Sion et Sorlunt. Je vais mettre Sorlunt vidéo 1, Sion vidéo 2, etc. Donc là, dès que je sors de la forêt, je termine la vidéo. Donc en clair, ça sert à absorber les purumeaux. Point d'interrogation. Donc, point d'interrogation, c'est pas un des trucs. Hein. Alors, donc ouais, point d'interrogation. Donc en fait, c'est un autre truc. Enfin, vous avez compris, c'est on sait pas quelle est la 4MC là-bas. Ah, c'est où? Là, je me rappelle pas. Je me rappelle pas du tout ce que c'est la 4ème. Je vais mettre au pif pour voir. Non, c'est pas ça. Donc, ouais, il faut chercher après. Ah. En fait, j'ai dit que j'allais sortir de la forêt, mais je crois que je vais arrêter là. Parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Voilà, c'était la première vidéo du jeu RNH. Donc la suite à la prochaine. Salut.